Ok, Sonic 1 c'est fait. En 1h30 ça va, c'est honnête. Ah, il considère que la suite c'est Sonic CD, c'est pas Sonic 2. Ah ouais. Bah écoutez, on va peut-être faire Sonic CD alors. On va se tester Sonic CD. Sonic CD, c'est le bordel. Ah ouais? Jamais testé. Trop peu, du moins. Turbo accélération. Quoi? Voyage dans le temps, passe à côté de panneaux spéciaux et atteint la vitesse maximale pour sauter vers le passé ou le futur. Ah ouais, 88 miles à l'heure, quoi. Ok. Il est crucial de retourner dans le passé et détruire l'équipement du docteur Eggman. Oula, c'est là tout le bordel. Au niveau spécial, je m'en bats les couilles. Quoi, celui de Sonic CD, elle est rigolo. Écoutez, let's go. Testons Sonic CD. Ah, j'aimais trop le design d'Ami avant. Considère Sonic CD, c'est la suite de Sonic 1. Ok, mais en termes de date de sortie, Sonic CD est sorti avant que Sonic 2. J'ai un doute. Ça voudrait dire que Amy existait avant Tails. Ah, Sonic CD, tu sens qu'il y a un peu plus de... Hein, c'est un peu plus puissant tout ça, hein, avec la méga CD et tout le bordel. Ah ouais... Tellement banger cette intro pour l'époque. Sachant que c'est pas la musique, hein. C'est pas la même musique. En tout cas, quand je la voyais sur YouTube, c'était pas la même musique. Ah ouais, oh ouais. Ah mais le méga CD, damn. Petit changement d'angle de caméra, ça rigole plus. Bon après du coup, je pense que ça va être un peu plus exploration. Du coup. Donc il faut trouver les portails pour aller dans le passé. Salut Hérétique. Ah, y'a deux OST? Ok. Non, viens là, petit anneau. Merci. Ah. Ah, ok. C'est ça pour aller vite, en fait.
Ok, et on est dans le passé. Et c'est ça l'engin d'Eggman qu'il faut détruire? Original quand même. Avec la musique qui change et tout. Donc c'est quoi? Ouais, en fait, il suffit de toucher la pancarte et la prochaine fois que je vais vite, ça me transporte à l'autre époque. Ok. What? Oh putain. À l'aide. Au secours. Non, c'est pas ça qu'il fallait détruire. Ah. Je sais pas si c'était normal, je sais pas. J'étais dans le décor. Je crois pas que c'était normal. Pantry Panic. Oui, oui, on a vu que c'était l'hologramme de Metal Sonic. On a bien vu. Ah c'est ça, en fait, dès que je touche la pancarte, il suffit que j'aille vite et ça me transporte. Oh putain, ça a changé. Oh là là, ça a changé ici, mon gars. C'est dégueulasse. Ah, les musiques de Sonic CD, bah c'est de là que vient mon thème principal, enfin mon thème préféré de la série. Le thème de Metal Sonic. What? Ah d'accord. Là, c'était original quand même, hein, ce délire de... voyager à travers les époques, surtout pour un Sonic. Oh ouais, merci, ouais. Tu me remets ici? Ouais, donc je disais, Sonic CD est sorti avant Sonic 2. Ah, donc ça veut dire qu'Amy existait avant Tails. Hein. Ah, ça c'est pareil, hein, pour les gens qui disent que... il y avait que Tails et Knuckles et qu'après c'est parti en couille avec Amy, bah Amy est arrivé avant Tails. Hein. Ça doit être les mêmes gens qui disent que Sonic 1 c'était que de la vitesse. Un petit peu la gueule des stages bonus, ça m'a donné envie, moi, de loin. Je vais mettre le titre à jour. Par contre, la musique tue. Hein. Ah, la musique de Sonic CD tue. Oh là là, mais... ouais. Ah mais ça, mais mec, voilà, mais ça, c'est du Prodigy, ça. Ça, c'est du bon Prodigy, sa mère, ça. Ça c'est de la bonne. Je sais pas ce que je dois faire, mais ça c'est de la bonne. Putain, mais les musiques tuent, hein, vraiment. Ah, faut détruire ça, ok. Merde, j'ai du temps.
l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Il s'écrase comme une merde, ça me détruit. Ah ? Ouais, vas-y, moi j'aime trop la musique, je continue, vas-y. Et la musique tue, mec, hein, vraiment. Hein. Tu vas trop vite, mon pote. Mon pote à la compote, tu vas trop vite. Oh non, on l'a raté. Ah mais la musique tue, hein, vraiment. Du bon Prodigy sa mère, là. J'y ai. Ça, c'est trop bien, ça. Merde, j'ai pas vu. Le ciel en mode giga de Mother 2. J'ai pas fait attention. Ah non, mais les musiques, c'est une dinguerie, hein, vraiment. Bon, j'avais déjà écouté un peu... J'aime bien les musiques de Sonic. Il y a vraiment une ambiance particulière dans Sonic CD, hein, par rapport aux autres, je trouve. Ah. Et du coup, est-ce que le boss est le même si j'étais dans l'autre époque? Qu'est-ce qu'il fait? Holy shit! Trop fort! Comment on va faire? Ah, c'est bon! Bah alors! Ah, donc le boss aurait été le même. Ok, d'accord, pas de regret alors. Attends, mais dans l'original, il y avait des musiques comme ça avec des vocales. Attends, c'est trop bien. Merci Roxas pour le 4e mois. T'as plus de bras? T'as plus d'œil? C'est nous. Je suis toujours dans le futur là, du coup. Ah, y'a Amy. Ah, elle me suit. Là, j'aimais vraiment bien son ancien car design, Amy. Hein. Au-dessus, je trouve, de celui d'aujourd'hui. En fait, celui d'aujourd'hui, on va dire que c'est le même, mais modernisé. Oh, le bâtard! Non! Putain, mais Sonic CD, c'était quand même Metal Sonic et Amy. Hein. Quand même, hein. ¡88 miles, salaud! Ah. Mais les musiques sont trop stylées, hein, vraiment. Il y a vraiment une ambiance particulière dans Sonic CD. Hein. Le bordel que c'est ici. Et bah dis donc, la gueule de ton futur, mon gars, c'est quelque chose. Je voulais me retransporter dans l'autre époque, j'ai raté. My bad. J'ai pas besoin de sauter en fait. Ouais, je pensais que c'était des trous, mais non, c'était des ombres. Oh là 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 là, oh là là, mais mon dieu, mais. Au secours! Thank you.
épileptique le Turfu. C'est sûr. Tu me diras là, le présent c'est pas mal non plus. Hein. Enfin le présent, le passé du coup. Vu qu'ils ont l'air de marcher en mode soit passé, soit futur. Et c'est quoi la différence entre le présent et le futur dans ce jeu ? Bah, il y a une époque où Savon est le maître du monde. C'est pour ça que c'est un peu le bordel, quoi. C'est la décadence. Ah, il y a aussi l'époque imparfaite du subjonctif. Ah, my bad, les gars. C'est marrant à faire ça. Je veux pas partir, je veux continuer, j'aime bien. J'ai fait niquer par un... Je sais même pas quoi, je sais même pas c'est quoi ce truc. Ok, là on va aller dans le futur. Là. Enfin, si j'ai assez de vitesse. D'accord, ok. Putain, mais on voit des petits boomerangs, des petits salauds. Merde, j'avais pas vu. Faut vraiment être collé. Ouais, mais il y a aussi les trucs qui me dégagent. Sur les côtés. Dans le futur, Savon a interdit les ballerines. Oui, puis j'ai aussi interdit Forspoken et tout le bordel, ouais. Ça n'existe pas, je me suis arrangé. Ce qui explique la pépée de Savon, et oui, tout à fait. Non mais qu'est-ce que ça change ? Bah déjà, environnement différent, dans le futur ça sent la merde, et surtout, selon les époques, il faut détruire apparemment l'équipement de Eggman et de Metal Sonic. Malheureusement, bon, on en a trouvé aucun pour le moment, mais apparemment, t'es pas obligé si tu veux la vraie fin. Les émeraudes du chaos suffisent, les stages bonus. C'était pas une mauvaise idée, hein, le délire de traverser des époques avec Sonic. Ah bah non. Oui, dans le futur a été interdit aussi les pizzas à l'ananas. Voilà. Ça devait bien arriver. Ça devait bien arriver. "2023 et je viens à peine de capter que tout en haut du background, ce qu'on voit c'est la Terre, vu qu'on est sur une mini-planète flottante au-dessus. Alors lequel de background du coup ? Ah là-bas ! Ce qu'on voit en haut au plafond ? Tiens, il est là lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, un boss flipper. Putain, un boss flipper. Ils ont mis un boss flipper, les bâtards. Et si je vais là-bas, là ? Ah, ça marche aussi, hein. Ça pourrait marcher. Ah, mais ça, c'est les prémices de Sonic Pinball, ça. Ça, c'est de la bonne. Ou pas. Ça dépend. Ok. Eh bien, c'était un boss très cool. J'ai adoré le boss.
Pire boss, tous solides confondus. Alors, tous solides confondus, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'était pas un boss de fou, quoi. Parce que dans certains autres Sonic, il y a des champions. Là, c'était pas ouf. Oh non! Non, pas de la flotte. Oh. Non, mais les musiques, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Salut Vika. Quoique le bruit du saut a un petit peu changé là. Hein. Non, puis en plus, évidemment, bon, là on finit les levels, mais. Là je vois, il y a tellement d'autres trucs en bas, d'avoir tout un nouveau pan du level et tout pour aller dans le passé et tout. Ah là je vois, bah tiens, il y avait une pancarte là. J'ai vu un top 3 passer avec Egg Emperor dedans. Oh le PTSD. Ah mais c'est vrai qu'il y a des boss dans les Sonic qui sont pas foufous hein. Dans Sonic Boom, il y en a des pas ouf. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qui est le meilleur boss de tous les temps. Ouais, je sais que j'aime bien le fight Metal Sonic de Sonic Mania. Je l'aime beaucoup. Avec sa transformation et tout, là, trop bien. Bah d'ailleurs, repris de Sonic CD, hein, si j'ai bien compris. Oh, cette musique, mais ça c'est la meilleure. Ça c'est de la bonne, mais ça c'est trop de la bonne. Ah, c'est l'âge d'or de Prodigy, ça. Ouais, balance, bouge ton corps. Ouais. Oh yeah. Non mais t'es sérieux? Ok, c'est bon, on l'a. Ouais, ouais, ça va peut-être nous sauver, ça, ce ralentissement. Ok, d'accord, j'ai compris. Attends, bouge pas, j'arrive. Sonic 2006, on le fera, je sais pas, ça sera le prochain, mais on le fera. Non, mais t'as vu cette musique? Ça, c'est trop de la bonne, ça. Ouais, c'est celui de Sonic 3 et Knuckles, et probablement Unleashed. En termes de quoi? En termes de qualité de boss? Les boss finaux, tu veux dire? Parce que ouais, moi, j'ai bien aimé Metal Sonic, hein, dans Sonic Mania. Après, bon, effectivement, il y a quand même pas mal de bons boss. Pas mal de boss sympathiques quand même en termes de mise en scène dans Frontier, ça on n'en parle pas assez mais... La bulle. La bulle. Tiens alors, est-ce qu'on peut écouter la musique vite fait? Est-ce que c'est la même musique de la noyade? Oh le sacrilège, ils en ont pas mis! Ils ont pas mis de musique de la noyade! What a sacrilège! Et vous êtes des fous ces gars de faire ça, vous êtes des fous! Vous n'avez pas le droit! J'en peux plus des TwitchCon, merci d'être là. Pourquoi ça fait plusieurs fois que je vois ce message? Qu'est-ce qui se passe? Non! Ah, ça marche pas? Change d'époque? Ouais. Ah mais Dark Unleashed. Sonic Unleashed, je l'ai déjà fait, hein, sur Wii. J'avais beaucoup aimé Sonic Unleashed.
Bah non, je veux pas déjà me barrer, attends. On vient d'arriver dans le passé. Pas se barrer direct quand même. Oh non. Ok, c'est super. Voilà. Sonic Unleashed, ça ne compte pas. Bah figure-toi que pour beaucoup l'épisode oui. Et merde, pour beaucoup l'épisode oui est au-dessus. Alors moi j'en sais rien, j'ai beaucoup aimé l'épisode oui, mais j'ai pas fait l'épisode 360 et PS3. Non, moi je veux pas me barrer dans le futur, on vient d'arriver là, attendez. Ah, je suis pas sûr que Fabio aime Sonic, je suis pas sûr. Ouais, je pense pas, Non, non. Après, on sait pas, hein, peut-être. Mais Fabio, à mon avis, lui, il était Team Nintendo, je pense. Ah, on le voit, là, sur les jaquettes de certains jeunesses. Ouais. Moi, si j'avais pu, j'aurais été Team les deux. Mais bon, quand t'es gamin, t'as pas assez de moyens, hein, pour t'acheter des consoles. T'es déjà bien content d'en avoir une, tu vas pas te plaindre. Oui. Oui, bah du coup, on retourne en arrière, là, si je comprends bien. Quelque chose me dit que... Ouais. On te revient en arrière, là, comme des cons. Ah, attends, il y a moyen, en vrai, là, non de ce... Là, l'idée que j'ai, là. Ça peut le faire, je pense. Ouais. Ouais, mais c'est pour un shield. Bah, les couilles. C'est vrai, Fabio n'aime peut-être pas les hérissons. Ah, ça a changé un truc. Bon, je vais retourner là-bas, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment 88 miles à l'heure, quoi. Marty! Oh, un checkpoint, il me le faut. Ça nous fera du bien, je pense. Ouais, la DA est particulière, oui. Moi, j'aime bien. Ok, on est revenu au même endroit, c'est cool. Et c'est vrai que les couleurs sont un peu plus... C'est un peu plus pétant, quoi, les couleurs. C'est un peu plus vif. Qu'est-ce qu'il fait? Laisse-moi tranquille. Oh, le bâtard. Nani kulemashita yo. Ah, ok, il me suit. Ok, la plateforme me suit sur l'eau. Je prends note. Excusez-moi, monsieur Sega, excusez-moi. On sait plus avec vous, on sait plus. Je rêve ou il m'a pas touché. Il m'a pas touché, le coquin. Non, mais calme-toi. On va essayer de passer par là, parce que ça change un truc. Ça va et toi, chef canard? Ça me touche pas ces flammes ou... C'est juste que la hitbox est assez cool avec moi. En tout cas, lui, son gros cul, je l'ai senti. Le pire quand t'es gosse et que t'es dans une team de consoles mais que t'as des frères et sœurs qui sont dans l'autre team et que du coup tu rates des consoles jeux. Ouais.
Moi, c'est vrai que ça a mis un petit temps avant que j'ai autre chose que de console Nintendo. Mais je m'en plaignais pas, hein. J'étais déjà content d'avoir une console. C'était fort sympathique. Salut Masternek. Mon Sonic 2D préféré, Sonic Mania. What? Putain, mais les musiques, brother? Hein? Ah, en fait, faut le choper, en fait, ce con. Il faut le trouver. Où tu es, Eggman? Viens te battre. Oh, le bâtard. Est-ce qu'il va repasser par là, du coup? Non, elle vient pas. Ah si, ok. Il y a tout le temps le même pattern. Ah, c'est pas fini? Oula. Oh, stylé les bulles là. Comment elle passe au-dessus du vaisseau. Comment elle se retourne. Oh mais la musique, mais frérot, c'est fou. Je te vole tes bulles moi. Ok bon, ça va être compliqué là. Essayer de sauter au-dessus. Voilà. Bon, par contre, Eggman, il a moins de vie que dans le 1, hein. Quand même. Il y a encore pire quand je vais jouer aux versions censurées des jeux sur la Nintendo, alors que j'aurais peut-être... J'aurais pu faire les complètes sur Mega Drive. Ah et Mortal Kombat, la grande histoire autour de la censure de Mortal Kombat. Bon après ça va, sur le Super Nintendo quand même. Eh, il y avait quelques masterclass. Quelques masterclass, dis donc. What? Bien joué. Vous êtes le meilleur. Moi je dois dire, je suis assez impatient de combattre Mister Metal Sonic. Non mais les musiques sont trop stylées, vraiment. Ah mais les musiques tuent, hein, vraiment. Dommage qu'il était court celui-là, mais... Ouais, non mais les musiques de Sonic, je suis le premier à le dire, hein, elles sont toujours très cool, mais ouais, celles de Sonic CD, elles ont un petit truc en plus. Il y a vraiment une ambiance particulière dans Sonic. Je vois un peu ce que ça donne dans... Merde, ça marche pas. J'aimerais bien voir ce que donne l'autre époque en fait.
Ok, d'accord. Mauvais bail. Bon, je pense que j'aurai l'occasion de trouver une autre pancarte, c'est pas grave. Bon, est-ce qu'on peut, là? Bon, j'aurais passé de vitesse. Je n'aurais pas assez de vitesse. Quoi? Je suis trop éloigné, c'est ça? Oh. C'est quoi le délire? C'est si je m'éloigne trop de la pancarte, je la prends pas en compte. La vitesse ne fonctionne plus. Enfin, la TP ne fonctionne plus. C'est bien dommage. Bon, c'est bon, hein. Raté. Parce que c'est bizarre, j'ai gardé exactement Bon bah tant pis. J'avais gardé la même vitesse, mais je crois que je suis trop éloigné de la pancarte, ça s'est arrêté d'un coup. Pourtant y'a rien qui m'a stoppé. Y'a rien qui m'avait ralenti sur le coup d'avant là. Oh, la musique masterclass, let's go! Oh non. Oh oui. Oh non. Oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Quand je suis dans le décor, les secondes tombent beaucoup plus vite. No! Ok, celui-là il va être dur. Celui-là va être dur. Je vous baise. Bon, après à mon avis on n'aura pas les 7 hein. Je sais pas si je vais faire la trilogie Sonic Advance, je ne sais pas du tout. Ça m'a jamais trop dit moi les Sonic Advance. A mon avis on n'aura pas les 7 émeraudes du chaos hein, mais bon. Au moins on pourrait dire qu'on en a chopé 3. Bon c'est quand là le level que j'attends là? Stardust Speedway. C'est le niveau qui a ma musique préférée de tous les temps de Sonic. Donc je veux voir l'original. Je veux voir ce que donne l'original dans Sonic CD. Oula. Oula. Hein? Est-ce que je dois te le renvoyer dans la gueule? Je peux pas non plus Ah si je peux foncer, ok. Non ça marche pas si je le renvoie dans la gueule. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ok je crois que ça a changé un truc, attends. Ça ne change rien. Ça ne change rien, ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Il veut pas courir quand je suis là, là, à ce niveau-là.
Attends, je vais essayer de me remettre juste devant lui. Et pourquoi il fait pas son truc comme ça, voilà, ouais. Pourquoi il saute? Cours, mon pote. What the fuck? Ah ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait, il faut courir comme un con. Hein. En fait moi je voulais courir avec la super vitesse mais il y a une mauvaise interaction avec le tapis en bas là. Donc il fallait juste courir. Ouais non, tu peux dire GG, on l'a battu. Dans son cul. Allô meuf.